Hey, salut la compagnie, donc bienvenue pour cette petite vidéo d'annonce de live pour ce samedi qui vient là, donc on est jeudi soir là actuellement, donc c'est pour samedi, donc je me prends pas à l'avance parce que je suis sûr que à peu près tout le monde aura reçu le message. Alors on va vous faire un petit live sur le démo de Resident Evil 7 qui est sorti sur PS4, donc oui on peut vous faire la démo live, enfin en tout cas en live, puisque je peux directement mettre sur le contenu de la PS4, enfin la PS4 directement sur Twitch ou sur YouTube. Je ferai sur Twitch encore évidemment. Mais donc voilà, donc logiquement vous devriez pouvoir avoir le truc. Et je pense avoir même réussi à réfléchir à un truc pour pouvoir vous permettre de même vous l'enregistrer et donc vous le remettre en rediff après plus tard sur la chaîne YouTube. Faut que je vois si c'est réellement faisable, mais je pense qu'avec le matériel d'enregistrement que j'ai, ça n'a pas l'air d'être impossible, donc je pense que c'est plus que faisable. J'ai du mal à réagencer les mots en même temps qu'ils sortent de la bouche. Donc nous, ce sera samedi soir à 21h30. Ma femme finit le boulot vers le coup de 20h30, tant qu'elle rentre, 21h, tant qu'on mange, machin, et après on vous attaque ça. Sachant que c'est elle hein, qui m'a poussé pour faire, parce que je ne sais même pas comment la démo était sortie. Donc voilà, c'est elle qui a cherché sur PSN, et c'est elle qui a trouvé sur PSN où était la démo, etc. Donc on l'a téléchargée. Et surtout, je vous invite surtout, juste avant de venir nous rejoindre, d'aller à 20h30 sur la chaîne de X-Soldier qui va lui aussi faire donc la démo. Donc voilà, si comme ça, au moins si vous avez un peu raté le début de la démo avec X-Soldier, ben, vous avez le début avec nous. Et puis ben, si vous avez apprécié la démo avec X-Soldier, vous avez envie de voir avec nous ce que ça donne aussi. Donc voilà, vous pourrez venir nous rejoindre pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, n'hésitez pas, X-Soldier à 20h30 sur YouTube, je pense. Enfin, en tout cas, allez voir sur sa chaîne. Hein. Je vais vous mettre le lien en dessous, comme ça vous verrez sur quel format il va live-er. Et nous, ce sera sur Twitch, donc c'est pareil, je vous mettrai le petit lien de la chaîne en commentaire. Je vous mettrai aussi le lien de la page Facebook en commentaire aussi. Comme ça, moi, vu qu'on va l'annoncer sur Facebook, quand est-ce qu'on va commencer à démarrer, comme ça vous saurez à peu près à 5-10 minutes près quand est-ce qu'on va se lancer ça. Et puis donc bon, ben, j'ai regardé pour Eddie Gustin, bon lui apparemment non, on ne va pas faire un live, donc ben, je sais pas, en tout cas ça n'a pas été annoncé, donc je ne peux pas vous dire, donner une horaire, putain il va le faire vendredi soir ou quoi, je ne sais pas. Donc voilà, je fais de la pub pour X-Soldier, mais évidemment hein, si j'avais eu d'autres collègues qui avaient annoncé, je vous ferais de la pub aussi, mais alors je ne sais pas. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas, si vous le faites aussi, n'hésitez pas à vous faire de la pub vous-même dans les commentaires, hein, voilà. Y compris ceux qui ne sont pas spécialement abonnés, hein, j'invite tout le monde à le faire. Là, c'est pour un live, c'est pas non plus. Voilà, on va tous se faire la même annonce, donc voilà, si vous voulez profiter de la vidéo, n'hésitez pas. L'essentiel, c'est qu'au moins au niveau des créneaux horaires, on se marche pas dessus. Voilà, X-Soldier, c'est à 20h30, moi, c'est à 21h30, enfin, nous, c'est à 21h30. Sachant qu'à peu près la démo dure une vingtaine de minutes, donc logiquement, même si on met un peu de temps pour galérer, avec ce soldier ou nous, voilà, alors, je pense qu'en une heure, on aura le temps de le faire et de le décortiquer un maximum. Donc voilà, comme ça, on est sûr de ne pas se marcher sur les pieds. Et si certains d'entre vous veulent faire aussi le live, donc, et l'annoncer en commentaire sur notre chaîne, donc voilà, essayez de faire en sorte qu'on ne se marche pas dessus. Donc voilà, si vous voulez lancer samedi soir, essayez de le lancer plutôt à 22h30. Comme ça, moi, vous êtes sûr d'avoir un public qui vous suit au fur et à mesure. Ou sinon, n'hésitez pas à le faire vendredi, ou bon, après dimanche soir, ça va être un peu chaud, vu que lundi, tout le monde reprend le boulot. Donc voilà, tout ceci étant dit, eh ben, je vous laisse macérer avec le trailer de Resident Evil 7, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur la chaîne de Eddie Gustin, ou sinon je pense que sur YouTube vous faites Resident Evil 7 trailer 2016 PS4 à l'E3, et vous verrez le trailer qui est, vous le saurez, notre avis quand on fera le live. Donc je vous dis à la prochaine et à samedi!